Salut, salut! Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo parce que je vous ai parlé d'une petite astuce que j'avais faite. Je vous en ai parlé sur Snapchat. Vous voulez me suivre sur Snapchat? Je vous mets le lien ici. Donc c'est une petite vidéo où je vous parlais qu'il y avait une toute petite chose qui avait révolutionné mes oreilles. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose qui clochait sur moi. Dites-moi. Je vous laisse 2 secondes. Si vous avez rien remarqué? Regardez mes boucles d'oreilles. Regardez. Est-ce que vous voyez pas l'oreille de vieille morue là qui pendouille? Et celle-ci? Donc du coup, je vais vous parler de cette petite astuce parce que, en fait, moi, ce qui se passe, c'est que quand j'étais petite, je me suis fait percer les oreilles, je crois j'avais 9 mois. Peut-être que c'est parce que je me suis fait percer les oreilles trop tôt que c'est comme ça. Et du coup, en fait, moi, je me suis fait percer les oreilles beaucoup trop bas. Voilà. En fait, c'est-à-dire que la personne qui m'a percé les oreilles, elle m'a percé les oreilles au bout des oreilles. Donc, s'il te plaît, quoi. Si tu vois pas, ne fais pas les trous aux gens, hein. Donc en fait du coup elle m'a percé les oreilles beaucoup trop bas et c'est-à-dire que quand je mets des boucles d'oreilles, que ce soit des grosses boucles d'oreilles, en fait je peux pas mettre des grosses boucles d'oreilles parce qu'à chaque fois que je mettais des boucles d'oreilles, alors si je prenais le pin au milieu de la boucle d'oreille, ben ça me faisait voilà. Et si je le prenais trop haut, ben j'avais la boucle d'oreille qui pendouillait et encore pire quoi. Donc là je me regarde sur la vitre mais quand je vois ça franchement regardez, il suffit juste qu'elle soit un tout petit peu desserrée pour que voilà. Et en fait, je suis tombée sur un lien sur AliExpress et dès que j'ai vu ça, j'ai dit il me le faut à tout prix, il me le faut. C'est un truc tout bête que j'ai acheté, c'est tout simplement un crochet qu'on met derrière les oreilles qui est comme ceci. Voilà, je sais pas si vous le voyez. Hop, je vais vous le. Voilà. Vous voyez, il est comme ceci. Hop, et quand on le tourne, voilà, c'est juste un crochet, hein, c'est comme le crochet. Donc en fait, là, j'ai carrément mis le crochet sur mon oreille. C'est-à-dire qu'en fait, le crochet, ben, derrière l'oreille, comme il est mis en fait, de sorte en fait, le cœur est posé en haut de l'oreille. C'est-à-dire que du coup, ça fait en fait une espèce de maintien pour l'oreille. Et du coup, ben, je ne sais pas si vous voyez, voilà, là. C'est comme ça. Et là, je vais carrément. Là, c'est un crochet tout simple. Hein, c'est un crochet. Je vais carrément mettre ce crochet en faisant en sorte de mettre le petit cœur vers le haut. Et vous allez voir, ça va changer de tout au tout. Voilà. Donc voilà. Du coup, ben, comme vous pouvez le voir, j'ai les boucles d'oreilles qui sont droites. C'est-à-dire que maintenant, je peux mettre des grosses boucles d'oreilles pour qu'on les voie, sans me préoccuper d'avoir l'oreille qui tombe comme si j'avais, je sais pas, 90 ans ou quoi. Voilà. Donc du coup, ben, je suis super contente. Alors ça, je les ai achetées sur AliExpress et je les ai achetées 1,36 €. Donc je vous mets le lien en barre d'infos pour les personnes qui sont intéressées. Donc je vous mets, voilà, le lien en barre d'infos. Vous pourrez cliquer dessus et puis vous allez voir. Après, vous avez d'autres. Je pense qu'il y a d'autres prix parce que quand vous cliquez sur un lien AliExpress, ben, vous atterrissez sur un lien. Et puis quand vous allez vous descendez plus bas sur la page, vous avez d'autres vendeurs qui vendent les mêmes produits et des fois c'est beaucoup moins cher. Mais n'hésitez pas surtout à regarder les avis des vendeurs. Moi je les ai reçus en même pas 10 jours. Ouais, même pas 10 jours. Donc ça a été super rapide. Et puis le vendeur il est très sérieux, donc c'est pour ça que je vous mets son lien. Après vous pouvez aller regarder d'autres vendeurs si vous trouvez moins cher, à moins d'un euro peut-être que vous avez trouvé. Bon après pour 30 centimes on va pas chipoter. Mais moi je vous dis déjà, quand vous achetez sur AliExpress, regardez les avis. Si vous voyez les gens qu'ils ont bien reçu le produit, que c'est conforme, etc. Vous pouvez y aller. S'il n'y a aucun avis, n'achetez pas. On ne sait jamais. S'il faut, c'est une boutique fantôme. Le vendeur n'existe pas. Ou alors il n'envoie même pas les produits. Donc après sur AliExpress, c'est rare. Moi, je ne me suis jamais fait arnaquer. Ouais. Après, quand j'avais des soucis, je faisais je m'arrangeais toujours avec AliExpress et j'avais toujours gain de cause parce que si je ne recevais pas ou que c'était abîmé ou quoi, ben. C'est pas de ma faute, du coup, ils me remboursaient. Donc, moi, j'ai jamais eu de soucis sur AliExpress. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, n'oubliez pas non plus, quand vous achetez sur AliExpress, de le faire en fait à partir d'Igraal. Que ce soit sur un PC ou sur le téléphone, vous allez depuis l'application Igraal et voilà, vous cherchez AliExpress, vous activez le cashback. Vous faites pareil sur PC, vous activez le cashback et en achetant vos produits, ben, sur AliExpress, vous avez 6% de cashback sur vos achats. Donc 6%, c'est pas rien, c'est pratiquement 10%. Donc vous faites des achats et en plus, vous gagnez de l'argent. Donc pour pouvoir avoir Igraal, si vous voulez, je vous mets le lien aussi en barre d'infos. Je vous mets un lien de parrainage où vous pouvez aussi, à l'inscription, ben, gagner 10 euros.
si vous passez par mon lien, parce que si vous passez pas par mon lien, en général, c'est 5 euros à l'inscription. Donc, autant avoir 10 euros. Donc, je vous mets tout en barre d'infos. Voilà, donc j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Dites-moi si vous connaissiez déjà cette astuce. Moi, je la connaissais pas du tout. Et dites-moi si c'est intéressant ou pas, ou si ça valait le coup que je vous en parle. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. When the strobe hits you.